Le premier match oppose le joueur numéro 1 monégasque Benjamin Balleret, 335e à l'ATP, face à Yacine Mbarek, 913e joueur mondial. Alors que l'on imagine Benjamin dominer la partie, c'est le Marocain qui va remporter le premier set au tie-break. Yacine Mbarek est meilleur sur les points décisifs. Benjamin lui laisse faire son jeu. Le Marocain remporte le deuxième set et plus facilement, 6-4. Il est vrai que le Monégasque n'est pas au meilleur de sa forme physique. Il faudra attendre le troisième set pour voir le Benjamin Balleret que l'on connaît. Incisif, il gère davantage la rencontre, fait courir son adversaire. Il joue mieux et remporte ce troisième set, 6-1. La partie semble relancée, le quatrième set sera hitchcockien. Benjamin amène 4 jeux à 0. Le reste ne devrait être qu'une formalité. Pourtant, le Marocain remonte petit à petit au score, 4-3. À 5-3, Benjamin a même une balle de set. Une chance qu'il ne saisira pas. Le quatrième set ira au tie-break. Benjamin Balleret n'est plus dedans et perd la rencontre en 4-7. 7-6, 6-4, 6-1, 7-6. Le premier point va au Maroc. Un gros sentiment de déception, quoi. Parce que je savais très bien, comme je vous l'avais dit, que ce joueur était peut-être tennistiquement moins fort, mais c'était un accrocheur de premier ordre. Et puis, dès les deux premiers sets, il a dominé Benjamin physiquement. Pour avoir un petit coup de barre au troisième set, on est vraiment là, j'avais vraiment l'espoir, un double espoir, déjà avant le match, et au troisième set. Et lorsque Benjamin domine le quatrième set et qu'il perd le quatrième set, c'est difficile à digérer. La deuxième rencontre opposera Romain Arnaudot, 600e à l'ATP en rouge, face au joueur numéro 1 marocain Lamine Ouabab, 263e joueur mondial en pleine forme. Lamine remporte le premier set facilement, 6-1. Ce sera le dernier, contre toute attente, Romain renverse la vapeur et empoche les 3 sets suivants facilement, 6-1, 6-2, 6-4. La partie relancée, un point partout. La suite sur les cours du Monte Carlo Country Club, samedi 13h avec le double, et dimanche dès 11h, les simples.